Ah, dur! Ah, mon petit pralin, là, tu veux la carrette, là? On va la sortir, la carrette, là? Et tu sais que là, tu m'embêtes. Ah, putain! Non, mais il faut pas développer! Ah, fils de... Mais c'est un fils de... Je me suis jamais fait autant insulter de fils de en aussi peu de temps. T'es prête? C'est parti! Allez, nickel. Du coup, on va enchaîner une première série de questions. C'est un peu mélangé. Question fermée. T'as pas le choix. Tu fais une réponse ou l'autre. Tu peux pas développer. Le but, c'est que tu développes pas. Okay. Je ferme ma gueule. Ok. Enfin, non, tu réponds aux questions quand même, hein, parce que c'est le but. Hein. Si tu fermes ta gueule, c'est plus drôle. Je vais parler tout seul. Du coup, on y va. Question numéro 1. Vas-y. Pékin Express ou Koh Lanta? Pékin Express. Oussama et Mehdi ou Estelle et Estelle? Ah, fils de fils de fils de fils de je réponds pas. Quatre jokers. Oussama, Estelle, Estelle. Si je réponds Oussama, Estelle, Estelle, désolé, Mehdi, je te mets sur le déco. Ok. Restaurant gastro ou McDonald's? Putain, mec, elles sont reloues tes questions. Vas-y, Domac. Ah ouais, Domac, ok, très bien. Cheeseburger ou Nuggets par 4? Ah, fils de c'est trop dur. Menu Golden, tu connais, il y a le burger, il y a les nuggets. Ah, mais tu peux pas choisir les deux. Donc, si tu prends le Golden, bah, cheeseburger, c'est cheeseburger, vas-y, cheeseburger. Caramel beurre salé ou Nutella? Ah, fils de... Mais c'est un fils de... Ah, Si vous voulez... Même si je suis breton, même si je suis breton, et dès que je descends à la crêperie Saint-Georges, caramel beurre salé, mais Nutella. Ok, alors, sachez que tous ceux qui nous regardent, si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez répondre en commentaire, faites-vous zizir, vous répondez avec nous et on enchaîne. Allez, c'est parti. Pépito ou Petit Prince? Pépito, Johnny, direct. Villa Jacuzzi ou Relais Château avec Spa? Villa Jacuzzi, pleine patate. Boîte de nuit ou une bonne soirée entre potes? Bonne soirée entre potes. Ayam ou Booba? Large. Qui? Ayam ou Booba? Qui? Ayam ou Booba? Qui? Ah, oh, ça va, c'est bon. Eliafa, B2O, of course. Eh oui, 92i, on est là. Dr. Dre ou Jay-Z? Ah, dur. Dur, Dr. Dre. Ok. Dr. Dre. Pictionary ou Bonne Paye? Bonne Paye, mec, comme never. J'étais sûr. Ah, je t'ai tué, la Bonne Paye. Tu sais qu'il y a la version électronique qui est sortie? Oui, avec la carte bleue et tout, maintenant. On l'a offert à notre petite nièce, une dinguerie. Thaïlande ou San Francisco? Thaïlande. Paris ou Bretagne? Fois 1000. Quoi? Paris ou Bretagne? Bretagne, fois 1000. En série, validé ou Breaking Bad? Validé, fois 1000. Fast and Furious ou Need for Speed? Ah, fils de... Ah, c'est dur. Fast and Furious, Fast and Furious. Jeremy Clarkson ou Letton? Letton. 24 heures du Mans ou Grand Prix de Monaco? 24 heures du... Bah, en fait, je vais te dire un truc. Je vais te dire GP parce que je ne l'ai jamais fait. C'est un de mes dreams. Ok. Lulu Laboiserie ou World Supercar, même si tu l'as dit tout à l'heure? Ah, putain, c'est... Alors, je vais dire World Supercar parce que World Supercar, c'est mon YouTuber. Je kiffe ce qu'il fait depuis super longtemps. J'ai commencé à le regarder à l'époque des car spotting, c'est pour te dire. Mais Lulu Laboiserie, il est dans un bail... Mais il est dans un bail, Lulu Laboiserie. J'adore. Mais c'est un... Ah, mon petit pralin, là, tu veux la carrette, là? On va la sortir, la carrette, là, mon pralin. On va la défoncer, la TDS. La TDS du seigneur, la cheminée, on la met, là? Alors, je te rappelle... Ah, il me fait taper des barres. C'est pas développé, donc tu dois choisir. Ah oui, pas développé, excuse. Word, mais Lulu, on t'aime bien. T'es un champion. Voiture stock ou modifiée? D'ailleurs, je vais m'acheter une TDS. T'as dit quoi? Hey, tu sais que moi aussi, je suis parti dans un délire TDS. Hein. On va faire un gang TDS au top 5 de Monaco. Hein. Lulu, on va t'envoyer des caisses en prépa. Allez, on continue. Voiture stock ou modifiée? Alors, non, mais il ne faut pas développer. T'as pas le choix. Stock. C'est l'un ou l'autre? Stock. Stock. Ok. Automatique stock. Ou manuel? Coup de palette, Johnny. Ok. T'as bien vu dans Pékin Express avec le... Ah oui, il ne faut pas argumenter, vas-y. Ouais. Fracture des tunnels ou faire des donuts? Fracture des tunnels comme never à Paris, en plus, c'est régalable. Ah oui, il ne faut pas développer. Ok, arrête de développer. C63 ou 300 SL? Pas
Allez, allez, allez. T'es méchant. C63, c'est con, mais C63. Porsche 959 ou Testarossa? Testarossa. Bugatti Veyron ou F40? F40, mais fois 1000. Fiat Multipla ou Renault Velsatis? Et tu sais que là, tu m'embêtes. Je sens le Multipla parce que trois places à l'avant, je trouve ça chambé. Le Roi Lion ou Toy Story? Le Roi Lion, mec. Yes. Very Bad Trip ou 51 nuances de gris? 50 nuances de gris. Je suis un gros romantique. Yes. Circuit ou road trip? Ah, putain. Road trip, je pense. Road trip. Petit déjeuner ou goûter? Ah, mais tu sais que mes petits déj, c'est des goûters, moi. Tu préfères le petit déj du matin ou le goûter? Petit déj, la journée, elle commence. Petit déj. Ok. Signé en one shot ou je vous laisse réfléchir? Ah non, j'aime pas réfléchir, moi. Content ou à crédit? Content. Avec le si sourire. Vous payez content, c'est que vous êtes content, non? Et voilà, avec le sourire. Ah, t'es un bon, toi. T'as une bonne école. Cartier ou Rolex? Ah, dur. Dur. On peut développer un peu quand même parce que les montres, c'est intéressant. Non, Balek? En ce moment, je suis Cartier, John. Ok. Cheval ou dromadaire? Ça dépend où, mais j'ai peur des chevaux, dromadaire. Musée Mercedes ou musée Porsche? Putain, c'est con ce que je vais te dire, mais le musée Mercedes m'a plus impressionné que le Porsche. Musée Mercedes, il est oufissime. Tu l'as déjà fait? Ah oui, moi j'ai fait les deux. Il est ouf. Ouais. Tu sais qu'on a fait Porsche, on ne devait pas faire Mercedes, on a pris la voiture pour aller chez Mercedes juste après. On s'est dit, putain, mais quelle idée de génie on a eu d'aller le faire. Ah, oufissime. Il est incroyable. Ouf. Alors, si vous avez l'occasion d'y aller en Allemagne à Stuttgart, c'est vraiment la guerre. Le musée Mercedes, d'ailleurs, je vais le refaire, je pense. Allez, on continue. On continue. Naïf ou confiant? Naïf de ouf. Déterminé ou timide? Déterminé de ouf. Entier ou égoïste? Entier de ouf. Défense ou attaque? Défense ou attaque? Ça dépend de la situation, mais attaque. Allez, remettez-vous avec nous pour ceux qu'on zappé. On essaye d'être concis, hein, Max. Hein, ok. Ok. On arrive bientôt à la moitié. Hélicoptère ou classe éco? Hélicoptère ou classe éco? Ouais. Classe éco, l'hélico, je le prends plus jamais de ma vie. À chaque fois que je l'ai pris, je flippe de ouf. D'accord. Lover ou gangsta? Lover. Foot ou boxe? Foot. Boxe, je suis une grosse bite. Bombers ou perfecto? Bombers. Casual ou costume? Casual, pleine tête. Moulbite ou caleçon? Caleçon de ouf. Voyage planifié ou départ à la dernière minute? Planifié, mais comme never. Ok. Balade touristique ou Farniente à la playa? Ah, je suis plus Farniente, moi. Hein. Ok. Version originale ou version française? Putain, mec, je comprends. VF direct. C'est honteux, je sais, hein, mais VF. Et enfin, pour terminer, la dernière question. Garde la pêche ou neuf de Yveron? Garde la pêche. Merci, mon ami. Tu as répondu aux 50 questions. Bravo à toi. Bon, c'était cool. Pas chronométré. Mettez-moi un maximum de cœur si vous avez kiffé ce petit délire de quiz. Ouais, c'était super sympa. Bien joué. Franchement, cool les questions et tout. Je me suis jamais fait autant insulter de fils de pan en aussi peu de temps.